Bonjour, au moment où on se parle, il y a quelqu'un qui nous écoute. Il se nomme Christian Mistral, c'est un poète et un ex-souverain. Et à la page 182 de son livre Fonte, alors ça commence comme suit: Ma plus belle chanson, je ne ferai jamais mieux. Écrite à la prison de Bordeaux sous les instances de Mohamed Lotfi, qui, apprenant mon incarcération, vint me la demander alors que j'avais encore les menottes au poignet. Si bien que je ne conserve aucun souvenir de sa rédaction et ne la reconnais que par le style et le dernier vers dont je me rappelle avoir été fier. Michel Rivard la mise en musique et l'interprète à la guitare sèche, accompagné de Richard Séguin à l'harmonica. Cela ne tourne qu'à Radio-Canada et à CIBL de loin en loin. Les citoyens demeurent indifférents, mais les ex-taulards pleurent en l'entendant. Semi-réussite. Donc, le jour où je saurai assez écrire pour faire comprendre la geôle aux honnêtes gens, j'irai cultiver mes artichauts. Dame aveugle soupesait ce que les gens lui disaient que j'avais fait, n'avait pu faire. Dans une balance de fer, l'innocence et son contraire, l'une en l'autre, se déguisaient. Pas de poésie en prison, rien qui rime avec la mort, que le parfum des pendaisons qui flottent sous les miradors. Pas de poésie en prison. Dessiner des libellules, des papillons, des femmes nues sur tous les murs de ma cellule. Et je leur ai donné des noms avant de m'y frapper le front. Mon âme est une plaie décousue. Y'a pas de poésie en prison, ça nous rendrait trop malheureux. Y'a pas de gazon, y'a pas de saison, le temps est immobile et creux. Pas de poésie en prison. L'acier de la porte claque sur mon palais de pénitence. Tout ce que je possède est dans un sac. Tous mes amis ont disparu. Tout ce que je connais n'existe plus. J'épouse l'ombre et le silence. Y'a pas de poésie en prison. Les mots sont des bêtes farouches. Je peux pas sauter le mur du son. J'ai des barbelés dans la bouche. Pas de poésie en prison. Pas de poésie en prison.
pas de poésie en prison. Je m'adresse aux souverains anonymes. Mohamed m'offre l'occasion cette année de transmettre aux souverains mes vœux pour la bonne année 2008. Depuis que je suis sorti, je passe pas un Noël ni un jour de l'an sans penser à ceux qui sont en dedans. C'est la pire période, les gars, juste avant minuit, mais c'est la meilleure aussi, juste une minute après. Tout recommence, le pire est passé, puis vous allez en sortir bientôt. Je vous souhaite une bonne, une heureuse année, le paradis à la fin de vos jours, puis la liberté au plus sacré. Pas de poésie en prison.